Hallelujah. Amen. Let some good young man wipe the board for us. Qu'un bon jeune homme nous efface le tableau. In 1 Corinthians chapter 3. Dans 1 Corinthiens chapitre 3.1 Corinthians chapter 3, verse 9 to verse 11. Verset 9 au verset 11. No, just go right down to verse 15. Va juste jusqu'au verset 15. Nous lisons dans la version Louis II. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à 15. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Amen. Is there another version? Est-ce qu'il y a une autre version? Ok. Corinthiens chapitre 3, du verset 9 au verset 15. Nous qui œuvrons ensemble au service divin, nous ne sommes que des collaborateurs de Dieu. Et vous, vous êtes le jardin qu'il cultive. Ou vous êtes la maison qu'il construit. Conformément à la maison que Dieu, dans sa grâce, m'a assignée et selon les capacités qu'il m'a données, conformément à la mission, autant pour moi, oui. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a assignée et selon les capacités qu'il m'a données, j'ai posé chez vous le fondement selon les règles de l'art, comme un architecte qui connaît son métier. À présent, quelqu'un d'autre continue la construction et bâtit sur ce fondement. Seulement, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, pas de problème. Nul n'en peut poser d'autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Mais tout dépend du matériau employé pour la superstructure. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou s'il utilise du bois, du chaume ou du torchis de paille, cela se verra clairement un jour. En effet, la nature de chaque ouvrage paraîtra à la pleine lumière et le travail de chacun sera estimé à sa juste valeur. Le jour du Seigneur mettra ce que chacun a construit, car il apparaîtra comme un brasier ardent. Le feu éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien
et en manifestera la nature. Si la construction édifiée sur le fondement sort indemne de l'épreuve, son auteur sera récompensé. Si elle est consumée, point de récompense pour lui. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste un homme qui réussit à s'échapper d'un incendie. Amen. C'est meurt. C'est meurt. Nous commençons 1 Corinthiens 3 à partir du verset 9. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous, vous êtes le champ qu'il cultive, ou encore, vous êtes l'édifice qu'il construit. Verset 10. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Amen. Amen. Parole de vie, 1 Corinthiens 3, versets 9 à 15. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi la maison de Dieu. Selon le don de Dieu, selon le don que Dieu m'a fait, j'ai placé les fondations comme un bon constructeur. Un autre construit dessus, mais chacun doit faire attention à la façon de construire. Les fondations sont déjà là. C'est Jésus-Christ. Personne ne peut en placer d'autres. On peut construire sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. Peu importe, le travail de chacun sera visible. Et on connaîtra le jour du jugement. Ce jour-là, il y aura un grand feu. Et ce feu montrera la qualité du travail de chacun. Si quelqu'un a conçu une maison qui résiste au feu, celui-là recevra une récompense. Amen. Au contraire, si son travail est brûlé, il perdra tout. Lui, il sera sauvé, mais comme quelqu'un qui traverse le feu pour s'échapper. Amen. Français courant. Car nous sommes les collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi l'édifice de Dieu. Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et posé les fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus. Mais il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ. Et nul ne peut en poser d'autre. Certains utiliseront de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations. D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu, et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. Si quelqu'un a édifié un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. Par contre, si l'ouvrage est brûlé, son auteur perdra la récompense. Cependant, lui-même sera sauvé,
mais comme s'il avait passé à travers les flammes d'un incendie. Gloire à Dieu. The Apostle Paul says, as a worker, as a missionary. L'apôtre Paul dit qu'en tant qu'ouvrier, en tant que missionnaire, he has done his work intelligently. Il a fait son travail avec intelligence. He says very clearly, il dit très clairement, that he has not done his work in a roughshod, haphazardly. Qu'il n'a pas fait son travail comme au hasard. He did his work intelligently. Il a fait son travail intelligemment. Like an architect. Comme un architecte. With wisdom. Avec sagesse. He knew what he was building. Il savait ce qu'il était en train de construire. And he knew the part of the work that he must do. Et il connaissait la partie du travail qui lui revenait à lui. And he says he has done his work well. Et il dit qu'il a bien fait son travail. He has planted the church. Il a planté l'église. According to plan. Selon le plan. Selon la maquette. Selon la maquette, merci. He has established the foundation according to plan. Il a établi la fondation selon la maquette. And he says God is going to bring other co-workers. Et il dit que Dieu va amener d'autres co-ouvriers. Apollos. Apollos. There will be the local elders that will be established. Il y aura les anciens locaux qui seront établis. There will be leaders that are raised. Il y aura des dirigeants suscités. And they will bring many things into the work. Et ils vont apporter beaucoup de choses dans l'œuvre. They will teach. Ils vont enseigner. They will preach. Ils vont prêcher. They will exhort. Ils vont exhorter. They will do a lot of things. Ils vont faire beaucoup de choses. And he told the Corinthians. Et il a dit aux Corinthiens. Whatever any other person does. Quel que soit ce que toute autre personne fait. In the church. Dans l'église. It will not affect my work. Ça ne va pas affecter mon travail. I've done it well. Je l'ai bien fait. Whatever the pastors are going to do after me. Quel que soit ce que les pasteurs feront après moi. Whatever the teachers are going to do after me. Quel que soit ce que les enseignants feront après moi. Whatever the elders that I have ordained will do when I have gone. Quel que soit ce que les anciens que j'ai ordonnés feront après moi quand je serai parti. It will not affect my work. Cela n'affectera pas mon travail. It will affect their work. Cela affectera leur travail à eux. God will judge every man's work. Dieu éprouvera. Judge. Dieu va juger le travail de chacun. God will test every man's work. Dieu va éprouver le travail de chacun. By fire. Par le feu. God will shake every man's work. Dieu va secouer le travail de chacun. One of the biggest blessings of God to our ministry. L'une des plus grandes bénédictions de Dieu à notre ministère. Is a prophecy which we call the Cindy Jacobs prophecy. It was given by an elderly prophetess in Colorado Springs to Brazak. C'est une prophétie que nous appelons Cindy Jacobs, la prophétie de Cindy Jacobs. Là. C'est une prophétie que nous appelons la prophétie de Cindy Jacobs. Elle avait été donnée au frère Zach par une prophétesse aînée appelée Cindy Jacobs à Colorado Springs, aux États-Unis. In that prophecy, dans cette prophétie, the Lord said he was going to use our ministry to do mighty things. Le Seigneur avait dit qu'il
se servirait de notre ministère pour accomplir des choses puissantes. To open the work in Egypt and prosper it. Ouvrir l'œuvre en Égypte et la faire prospérer. Bring revival to Rwanda. To Rwanda. Apporter le réveil au Rwanda. Open the work in Mauritania. Ouvrir l'œuvre en Mauritanie. And that our ministry will be one of the first ministries to be officially registered in Mauritania. Et que notre ministère serait l'un des premiers ministères à être officiellement enregistré en Mauritanie. I made many, many promises. Et il a fait beaucoup, beaucoup de promesses. That the Lord will establish a wonderful headquarters. Que le Seigneur établirait un merveilleux quartier général. That will be beautiful and will be like a garden. Qui serait beau et qui serait comme un jardin. This woman had never met Brother Zach. Cette femme n'avait jamais rencontré le frère Zach. They met in a prayer conference in the US. Ils s'étaient rencontrés dans une conférence. Le frère Zach et cette dame s'étaient rencontrés dans une conférence de prière aux États-Unis. And then she prophesied. Et elle a prophétisé. She spoke about the prayer tower. Elle a parlé de la tour de prière. And about many, many things about the ministry. Et de beaucoup de choses au sujet du ministère. Then the Lord said. Et puis le Seigneur a dit that these things will not happen until he shakes the ministry again. Que ces choses ne vont pas s'accomplir jusqu'à ce qu'il ait secoué le ministère une deuxième fois. Qu'il ait à nouveau secoué le ministère. That these things will not happen until he shakes the house again. Que ces choses ne s'accompliraient pas jusqu'à ce qu'il ait à nouveau secoué la maison. She did not know our history. Elle ne connaissait pas notre histoire. She did not know that we had a shaking while we were with the Protestants. Elle ne savait pas que nous avions eu une secousse quand nous étions avec les protestants. She had no idea we had a shaking when we were with the Pentecostals. Elle n'avait aucune idée du fait que nous avions eu une secousse quand nous étions avec les pentecôtistes. She prophesied that there would be another shaking. Elle avait prophétisé qu'il y aurait une autre secousse. An in-house shaking. Une secousse intérieure. I mentioned only one thing that will happen from that shaking. Et elle a mentionné une seule chose qui allait résulter de cette secousse. She mentioned that there will be only one. She mentioned one outstanding thing that will happen when there will be that in-house shaking. Elle avait mentionné une chose principale qui se produirait lorsqu'il y aurait cette secousse. That in-house shaking. Cette secousse intérieure. She said there will be another shaking. Elle avait dit qu'il y aurait une autre secousse. And some elders will fall away. Et que certains anciens tomberaient de côté. It will be a shaking that will mean that some elders will fall away. Que ce serait une secousse qui va faire en sorte que certains anciens tombent de côté. That only after that shaking will the mighty prophecies be accomplished. Et que c'est seulement après cette secousse que ces puissantes prophéties s'accompliraient.
Why am I sharing it? Pourquoi est-ce que je partage cela? It's one of the biggest love gifts of God. C'est l'un des plus grands dons d'amour de Dieu. The privilege to shake your walk when you without waiting for judgment day. Le privilège que ton œuf soit secoué sans attendre le jour du jugement. And for God to shake a man's walk three times. Et pour que Dieu secoue l'œuvre d'un homme trois fois. Please, it's not. D'accord, je comprends. Et c'est un privilège que Dieu secoue l'œuvre d'un homme trois fois. To purify the work. Pour purifier l'œuvre. To remove what is not part of his plan. Pour ôter ce qui ne fait pas partie de son plan. Those are the things God does when he loves a man. Ce sont des choses que Dieu fait quand il aime un homme. He shakes your work. Il secoue ton œuvre. So that what is temporal, so that what is a mixture can drop off. Afin que ce qui est temporel, ce qui est une mixte, un mélange puisse tomber de côté. God will test the work of every man. Dieu éprouvera l'œuvre de chacun. Of course, no shaking is pleasant. Bien entendu, aucune secousse n'est agréable. But when God shakes a work, mais lorsque Dieu secoue une œuvre, it is a love gift. C'est un don d'amour. So that he may remove all that is of the flesh and leave that which is of his spirit. Afin qu'il puisse ôter tout ce qui est de la chair et laisser ce qui est de son esprit. I like three people to thank the Lord for the ruthless God. God is ruthless when it comes to his work. J'aimerais que trois personnes remercient le Seigneur pour le Dieu sans pitié qu'il est. Quand on en vient à son œuvre, il est sans pitié. Seigneur, merci beaucoup. Seigneur, j'étais même déjà appelé à l'aider moi-même. Seigneur, la dureté, la force, et les paroles sévères avec lesquelles tu traites l'œuvre, ton œuvre. Oh Jésus, notre Seigneur, je te remercie de tout cœur. Pour la dureté, la sévérité avec laquelle, Seigneur, tu traites l'œuvre. Seigneur, cet avertissement qui est sur ma tête comme l'épée de Damoclès. Dieu va sévèrement faire passer par le feu l'œuvre qu'il nous a confiée. Oh Jésus, je te remercie. Je te remercie pour ta parole. Nous qui sommes là pour entendre. Au nom de Jésus, amen. Three people thank the Lord for the shaking that he has brought to our ministry. Time, at least three times now. Que trois personnes remercient le Seigneur pour les secousses qu'il a apportées dans notre ministère au moins trois fois déjà. As some elders fall away. Pendant que certains anciens tombent de côté. The missionaries and the spiritual relationships and the churches that were connected to those elders have also fallen. Les missionnaires et les relations spirituelles ainsi que les églises qui étaient connectées à ces anciens sont aussi tombées de côté. That's why it is the shaking of the house. C'est pourquoi c'est la secousse de la maison. It is a gift of God when he shakes a man's work. C'est un don de Dieu lorsqu'il secoue l'œuvre d'un homme. I know because God shook my work as a missionary. Je sais parce que Dieu a secoué mon œuvre en tant que missionnaire.
I know. Je sais. You see everything you have built according to the flesh crumble. Tu vois s'écrouler tout ce que tu as bâti selon la chair. Et alors tu sais que tu ne sais pas. Thank the Lord. Remerciez le Seigneur for the shaking of our work. Pour la secousse de notre œuvre. Prophesied ahead of time. Prophétiser longtemps à l'avance. But it is with a view to doing some things. Mais c'est en vue de faire certaines choses. Remerciez le Seigneur. Père, nous te bénissons. Père, nous confessons que c'est une grâce et un privilège particulier, Seigneur, que tu, Seigneur, condescendes. Que tu viennes secouer notre œuvre, Seigneur, déjà trois fois. Père, merci pour l'épuration. Seigneur, nous te rendons grâce pour cela, parce que cette œuvre t'appartient et tu la veux pure pour un but. Père, nous te disons encore merci. Reçois l'honneur et la gloire pour cela, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. The other truth is that l'autre vérité, c'est que the Apostle Paul was saying, l'apôtre Paul était en train de dire that as a leader, qu'en tant que dirigeant, he has labored to do his work well. Il s'était efforcé à bien faire son travail. And that all his co-workers, et que tous ses co-ouvriers who are also working, qui sont aussi en train de travailler, qui étaient aussi en train de travailler, shall test their work. Que le feu éprouverait leur œuvre. When you become the pastor of a church, lorsque tu deviens le pasteur d'une église et tu penses que tu peux en faire ce que tu veux, all right, d'accord, fire will test your work. Le feu éprouvera ton travail. You may come to the end of your life, tu peux arriver à la fin de ta vie to find that you have nothing. Pour te rendre compte que tu n'as rien. Every co-worker's ministry, le ministère de chaque co-ouvrier, every co-worker's work, l'œuvre de chaque co-ouvrier will be shaken, sera secouée. God does it. C'est Dieu qui le fait. One reason why I have struggled to ask the Lord, what would you want me to teach the brethren? Une des raisons pour lesquelles je me suis efforcé à demander au Seigneur, que veux-tu que j'enseigne aux frères? Is the fear. C'est la crainte. Ce n'est pas crainte, c'est la peur. C'est la peur. Because if I come and teach anything, the brethren will admire me as a leader. Some people will congratulate you that they were very blessed. Fire shall test it. Parce que si je viens enseigner n'importe quoi, les frères vont m'admirer en tant que dirigeant. Et certains frères viendront dire qu'ils ont été bénis, mais le feu va éprouver cela. It is not the compliments or the comments of men. Il ne s'agit pas des compliments ou des commentaires des hommes. Fire shall test your work. Le feu éprouvera ton travail. On the other side of the ministry that you are rendering is the God whom you claim to serve, and he shall shake it. De l'autre côté du ministère que tu dis rendre, il y a le Dieu que tu dis servir, et il secouera, il va secouer cela. Your motives, your thoughts. Tes motifs, tes pensées. What you brought to the work. Ce que tu as apporté dans l'œuvre. Will show. Vont se manifester. Time will tell. Le temps le révélera.
In Hebrews chapter 12. Dans Hébreux au chapitre 12. Dans Hébreux au chapitre 12. From verse 22. À partir du verset 22. To verse 28. Jusqu'au verset 28. The Bible reveals to us God as a consuming fire. La Bible nous révèle Dieu comme un feu consumant. Who shakes everything? Qui secoue toute chose. With the goal of destroying what is not of him. Avec pour but de détruire ce qui n'est pas de lui. Act fast like a man who is alive and as... Agis rapidement comme quelqu'un qui est vivant. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, 22 à 28. Nous lisons dans la version Semeur. Non, vous au contraire, vous vous êtes approché de la montagne de Sion. Non, au contraire, non. Vous, au contraire, vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste avec ses milliers d'anges en fête. Vous vous êtes approché de l'assemblée des premiers fils de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes approché de Dieu. Oui, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Nous continuons. Vous vous êtes approché de Dieu, le juge de tous les hommes et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous vous êtes approché de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur terre n'ont pas échappé au châtiment. À combien plus forte raison en sera-t-il de même pour nous si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux? Celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra pour que ce qui subsiste seul, les réalités inébranlables. Sorry. Ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect. Verset 29. Car Dieu est un feu qui consume. Let us serve God with reverence and awe. Servons Dieu avec révérence, avec frayeur. Because our God is a consuming fire. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. He will shake everything. Il va secouer toute chose, il va ébranler toute chose. That which is of the flesh. De sorte que ce qui est de la chair. That which is of the world. Ce qui est du monde. That which is contaminated by sin. Ce qui est contaminé par le péché. That which is motivated by self-seeking and glory. Ce qui est motivé par le moi et la recherche de la gloire personnelle. That which is done
in the power of money rather than in the power of prayer. Ce qui est fait dans la puissance de l'argent plutôt que la puissance de la prière will crumble. Va s'écrouler. For those of us who grew near Brother Zach, pour ceux d'entre nous qui ont grandi près du frère Zach, we understood his terrible dread for that which does not come from God. Nous avons compris l'effroi terrible qu'il avait de ce qui ne venait pas de Dieu. Unfortunately, we did not catch that fear. Malheureusement, nous n'avons pas saisi cette crainte. We don't fear our own ideas. Nous ne craignons, nous n'avons pas peur de nos propres idées. We don't fear our own thoughts. Nous n'avons pas peur de nos propres pensées. We don't fear our own inclinations. Nous n'avons pas peur de nos propres inclinations. We don't fear our own preferences. Nous n'avons pas peur de nos propres préférences. We don't fear our own initiatives. Nous n'avons pas peur de nos propres initiatives. Too many of us. Un trop grand nombre d'entre nous are too free. Sont trop libres. Too bold. Trop hardis. Too confident. Trop confiants. Let us serve God with fear and trembling. Servons Dieu avec crainte et tremblement. Because whatever is not from God will crumble. Parce que tout ce qui n'est pas de Dieu va s'écrouler. Co-workers that God did not give us in answer to prayer. Des co-ouvriers que Dieu ne nous a pas donné en réponse à la prière. They will hurt us. Vont nous faire mal. Please. Vont nous faire du mal. Non, pas blessé. Ils vont nous faire du mal. The projects that we initiate. Les projets que nous initions. On our own. De nous-mêmes. God will scatter them. Dieu va les disperser. Dieu va les démolir. Too many of us are too bold. Un trop grand nombre d'entre nous sont trop courageux. Ce n'est pas courageux et positif. Trop hardi. On demande mon cœur. C'est effrayant tout ce que je suis en train d'entendre. C'est effrayant, Seigneur, c'est effrayant. Oh, s'il te plaît, Seigneur, que ta crainte se saisisse de mon cœur. Que ta crainte, oh Dieu, se saisisse profondément de mon cœur. Afin que pendant que j'avance dans ton œuvre, que je sache ce que je suis en train de faire. Sachant que au-delà de tout cela, tu es là, tu me vois. Tu connais mes motifs, même les plus secrets. Tu connais mes pensées. Seigneur, visite-moi. Visite profondément le cœur, mon cœur. Je t'en supplie, Seigneur. Je ne voudrais pas me séduire. Je ne voudrais pas me tromper moi-même. Oh Dieu, viens à mon secours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, cette vérité me fait trembler dans le cœur. Parce que ce que je voyais par le passé était encore éloigné. Et aujourd'hui, je suis vraiment totalement impliqué, constatant que mon œuvre sera éprouvée. Éprouvée. Ce n'est plus une question de fable, de racontage. C'est une réalité désormais.
par rapport à ce que j'ai eu à poser, par rapport à tout ce que j'ai eu, à mes intentions, à mes pensées, tout cela sera éprouvé. La pierre que je pose sera éprouvée. Seigneur, tout cela me fait trembler. Et je me tourne vers toi, Seigneur. Seigneur, l'heure est véritablement grave. L'heure est véritablement grave, Seigneur. L'heure est véritablement grave. Merci de m'ouvrir les yeux pour voir cela dès maintenant. Afin qu'il ne soit trop tard. Que je ne sois plus capable d'arranger ce qui doit être arrangé. D'arranger ce qui doit être arrangé. Je te loue et je te bénis. Seigneur, pour ton appel à rectifier toutes choses pour ta gloire, Seigneur. Merci de m'ouvrir les yeux pour comprendre ces choses. Mon œuvre sera éprouvée. Au nom de Jésus. Amen. Let's read Hebrews chapter 10, verse 5 to 7. No, verse 5 to 5 to 9. Lisons Hébreux chapitre 5 et 10. Chapitre 10, versets 5 à 10. Nous lisons dans la version Semeur. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 10. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ a dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux offrandes pour le péché. Alors j'ai dit, « Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il commence ainsi par dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tu n'y as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Ensuite, il déclare, voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il abolit le premier état des choses pour établir le second. C'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes. Amen. Notre version, he brings out many things. The Lord Jesus says, le Seigneur Jésus dit, I come to do your will. Je viens faire ta volonté. As it is written. Tel qu'il est écrit. I come to do your will. Je viens pour faire ta volonté. As it is written. Tel qu'il est écrit. And because of that, of doing God's will, et à cause du fait de faire la volonté de Dieu, his death on the cross, sa mort sur la croix, his sacrifice, son sacrifice, has the efficiency to save us from sin once for all. A la puissance de nous sauver du péché une fois pour toutes. We want to be effective and yet we do not seek the will of God. Nous voulons être efficaces, cependant nous ne recherchons pas la volonté de Dieu. We want impact and results. Nous voulons de l'impact, des résultats that abide, qui demeurent. But we do not seek the will of God. Mais nous ne recherchons pas la volonté de Dieu. That's not how the Lord Jesus served God. Ce n'est pas ainsi que le Seigneur Jésus avait servi Dieu. The Lord says, le Seigneur dit, that the priest offered a lot of sacrifices and a lot of offerings that cost a lot in a religious way. Les sacrificateurs offraient beaucoup de sacrifices très coûteux, mais de façon religieuse. The Lord Jesus says, le Seigneur Jésus dit, that the priest offered a lot of sacrifices, a lot of offerings, que les sacrificateurs offraient beaucoup de sacrifices, beaucoup d'offrandes, and they were very costly, très coûteux,
And it was according to the law. Et c'était selon la loi. So it was religious service. Donc c'était un service religieux. Intellectual. Intellectuel. And those sacrifices could not purify from sin the consciences of those who worshipped forever. Et ces sacrifices ne pouvaient pas purifier la conscience de ceux qui venaient adorer pour toujours. So Jesus came. Donc Jésus est venu to provide obedience. Pour offrir l'obéissance. He served God. Il a servi Dieu. Not just in conformity to the law. Pas juste en conformité à la loi. But in doing the will of God. Mais en faisant la volonté de Dieu. As it is written. Ainsi qu'il est écrit. Please get it. Le Seigneur Jésus avait quelque chose en tête, tel qu'il est écrit dans les Écritures. I want you to bring it out. Please, shut up. Who is understanding me? He had, it was not just the fact that he had to do something and offer himself as a sacrifice, but there was an intelligent obedience to the will of God revealed objectively. And it was because of the obedience factor in his sacrifice that his sacrifice had the power to save men forever. It is what comes from God, what God wants, that produces God's results. C'est ce qui vient de Dieu, ce que Dieu veut, qui produit les résultats de Dieu. What God does. Ce que Dieu fait. Like Brazak used to say, what God does. Comme le frère Zach le disait souvent, ce que Dieu fait will last. Perdurera. I come, O Lord. Je viens, ô Dieu. As it is written about me. Tel qu'il est écrit à mon sujet. To do your will. Pour faire ta volonté. His ministry was intelligent. Son ministère était intelligent. There was a plan. Il y avait un plan. A blueprint. Une maquette. His service was obedience to a blueprint. Son service, c'était l'obéissance à une maquette. And the obedience in his service. Et l'obéissance dans son service. Enabled fruit that God approves to be born. Avait rendu possible que du fruit que Dieu approuve soit porté. We too have to learn to find God's will. Nous aussi, nous devons apprendre à chercher la volonté de Dieu. I said find. Pardon. Nous aussi, nous devons apprendre à trouver la volonté de Dieu. And do it. Et la faire. I come to do your will. Je viens pour faire ta volonté. That's how the Lord Jesus served God. Voilà comment le Seigneur Jésus servait Dieu ou avait servi Dieu. That is how the Lord Jesus served God. C'est ainsi que le Seigneur Jésus avait servi Dieu. That is how the Lord Jesus served God. C'est ainsi que le Seigneur Jésus avait servi Dieu. It wasn't just who he was. Ce n'était pas juste qui il était. Please. L'enjeu n'était pas juste qui Jésus était. It was a commitment to do God's will. C'était un engagement à faire la volonté de Dieu. He had a commitment to do God's will. Il avait un engagement à faire la volonté de Dieu. And each one of us. Et chacun d'entre nous, whether a department, que ce soit un département or a church, ou une église, you better know God's will. Tu ferais mieux de connaître la volonté de Dieu. That's what Paul was saying. C'est ça que Paul était en train de dire. In my ministry, dans mon ministère, I have laid the foundation. J'ai posé la fondation. There are other co-workers coming in. Il y a d'autres co-ouvriers qui viennent.
Many want to change what I have done. Plusieurs veulent changer ce que j'ai fait. Many want to correct what I have done. Plusieurs veulent corriger ce que j'ai fait. Many want to beautify what I have done. Plusieurs veulent embellir ce que j'ai fait. I did what I did according to plan, according to a blueprint. Ce que j'ai fait, je l'ai fait selon une maquette. Let everyone else who has entered my work be careful about his work. Que toute autre personne qui est entrée dans mon œuvre prenne garde à son œuvre. Because your work will be burned. Parce que ton œuvre sera consumée. Pourrait être consumée. It can all be in vain. Elle peut finir par être en vain. As the next leader of our work, en tant que le leader suivant de notre œuvre, my whole work can be burnt. Toute mon œuvre peut être consumée. I said pourrait. Pourrait être consumée. I'm sorry. It can all be destroyed. Elle pourrait être totalement détruite. So I have labored. Donc je me suis efforcé. To find out what did God tell us to do. À m'enquérir, à savoir, qu'est-ce que Dieu nous avait dit de faire. I have to find out. Il faut que je cherche à savoir. What did God said he wanted our ministry to be? Qu'est-ce que Dieu avait dit qu'il voulait que notre ministère soit? Avance, let me share a bit. I want to make about 9 of our steps. I am asking Sister Esther. Je suis en train de demander à la sœur Esther. I'm asking Sister Esther to document in an orderly way all the prayer that Brazak prayed in the prayer meetings, in the prayer crusades, in the prayer sieges, all the praying that we have already prayed about the work. Je suis en train de demander à la sœur Esther de documenter de façon ordonnée toutes les prières que le frère Zach avait faites dans les réunions de prière, les sièges de prière, les croisades de prière, tout ce que nous avons déjà prié pour l'œuvre. It's only a matter of simple wisdom that I should walk according to the prayers. C'est juste par simple sagesse que parce que je dois fonctionner selon ces prières. It is a matter of simple wisdom. C'est une question de simple sagesse. That I should pattern my work and ministry according to the prayers already made about the work. À savoir que je dois calquer mon œuvre ou mon ministère selon les prières déjà faites pour l'œuvre. Why? Pourquoi? The prayers mean. Les prières signifient. That is what we already have in heaven. Que c'est ça que nous avons déjà au ciel. Que c'est ce qu'on a déjà, pas que c'est ça que nous avons, c'est ce qu'on a déjà, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a accumulé. Au fur et à mesure qu'on prie, voilà ce qu'on a demandé à Dieu, n'est-ce pas? Donc par rapport jusqu'aux réponses, c'est ce qu'on a amassé déjà dans l'invisible. Qui me comprend? Quand tu viens pour commencer à travailler, Et tu dégames dans une autre direction, dans toute une autre direction, là où il n'y a rien déjà amassé, tu t'attends à recevoir quoi? Donc, je dis, c'est une question de simple sagesse, que d'essayer de travailler
selon ce qu'on a déjà amassé au préalable pour ne pas perdre le travail qu'on a déjà fait. Qui a compris? Si je viens, je déclenche des initiatives pour lesquelles on n'a jamais prié. Ça veut dire que c'est maintenant que ça commence, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'on va finir tout ça, tout le dépôt spirituel? Comment est-ce qu'on sait même si c'est la volonté de Dieu? Moi, je n'ai pas autant de dons spirituels, autant de rectitudes spirituelles, autant d'expériences spirituelles que le frère Zach, ayant peiné toute sa vie pour connaître la volonté de Dieu qui formait la base des prières. Pourquoi je balance tout ce travail d'avoir cherché Dieu et la volonté de Dieu révélée qui s'est traduit dans les prières à Dieu? Pour des ignorants comme moi, ça m'arrange, hein, de m'assurer que j'arrange mon travail selon ces prières. Ce n'est qu'ainsi que je peux dire que je suis en train de continuer son œuvre. Donc, dire que je continue son œuvre, ce n'est pas un shibboleth d'adhésion émotionnelle pour dire que Zakfomoum pour Dieu, alléluia. Et on applaudit, ce n'est pas ça. Tu peux faire toutes ces affirmations étant en train de faire ta propre chose. Aman, le fils d'Amaduta, il avait la signature du roi tout en cherchant ses propres choses. Oh roi, il y a un peuple ici qui ne te sont pas loyaux. Moi, je paye pour éliminer ces menaces de ton royaume. Apparemment, il est en train de servir le roi, n'est-ce pas? Mais en fait, il est en train de faire quoi? Donc, il y a beaucoup de dirigeants qui peuvent faire un consentement oral, verbal, émotionnel, mais dans la réalité, ce n'est pas la volonté du roi qu'ils sont en train de poursuivre. Tu peux être un assistant pour quelqu'un en supplantant la personne. Tu as supplanté la personne. Donc je dis, quand on dit que je dois m'efforcer pour connaître la maquette pour notre ministère, ça ne reste pas en l'air. Comment je fais? Si vous rentrez comme ça sans poser la question, en dehors du fait que le frère Théodore a dit que lui il cherche, mais si quand je dis comme ça, vous allez penser que je prends beaucoup de retraites, je prends beaucoup de... moi aussi je vais être un homme de Dieu comme le frère Zach, aller à la montagne pour recevoir la maquette spirituelle. Qu'en est-il de la maquette déjà reçue? Beaucoup de frères sont des chefs de département. Quand on parle de faire la volonté de Dieu, ils passent tout le temps à prier, à demander qu'est-ce qu'on doit faire dans ce département. Seigneur, pour cette session-ci, pour l'autre-ci, pour ce projet-ci, qu'est-ce qu'on fait? Toutes ces questions sont bêtes. La première question, c'est la personne qui avait créé ce département, il avait quoi en vue? Il avait même quoi d'abord en tête? Et quand il faisait de façon générale, les départements ne sont que des spécialisations de ce qui a été déjà fait, n'est-ce pas? Quand on dit département, ça veut dire on veut spécialiser un aspect de ce qui a été déjà fait. Simple question. Quand lui, il faisait de façon générale, il avait fait comment? Est-ce que c'est trop pour poser? Les prières. Non,
utilise l'article des prayers, parce que c'est les prières spécifiques. Ce n'est pas juste le fait de prier. Imagine, qui connaît combien de sujets de prière notre ministère a prié avec le frère Zach pendant 35 ans? Non, vous avez intérêt. Vous avez intérêt à savoir qu'est-ce qu'on a prié pendant 35 ans. Tout d'abord, pour moi, en tant qu'un petit, qui ne connaît pas Dieu assez comme le dirigeant, quand je regarde même la masse de ses prières, ça devait me donner une consolation que Dieu est avec nous dans l'œuvre, n'est-ce pas? Tant que je reste là-dedans. Donc, les bouffées de découragement, je peux les écarter. Quand je regarde juste la masse des choses qu'on a déjà demandées à Dieu, et un Dieu qui est vivant et un Dieu qui va répondre. Dirigé par quelqu'un qui avait comme une folie et une obsession à chercher la volonté de Dieu. Si le frère Zach avait une fièvre, si un moustique l'avait piqué pour lui donner une fièvre, cette fièvre-là était de chercher la volonté de Dieu. Il avait en horreur d'introduire quoi que ce soit. Voilà, c'est le thème. On dit le thème. C'est le thème du livre Le chemin du service chrétien. Va relire le chemin du service chrétien. Ce qui ne commence pas, ce qui n'est pas initié par Dieu, n'est pas un service à Dieu. Et Dieu lui avait montré ça en 72. Et toute sa vie, il est resté un obsédé pour connaître la volonté de Dieu. Et quand quelqu'un a passé 40 ans pour chercher la volonté de Dieu, et toi qui es un nouveau venu, je n'ai même pas les mêmes dons, la même quantité de dons prophétiques. Donc dans ces dons spirituels même, il est prophète. Je n'ai pas les mêmes rencontres, les rencontres épiphanales. C'est-à-dire que Dieu lui apparaît. Dieu ne m'a jamais apparu. Combien de fois est-ce que tu as rencontré quelqu'un à qui Dieu a apparu plus de 6 fois? On lit des choses comme ça au sujet d'Abraham, n'est-ce pas? Pas une vision, pas que tu es en train de dormir. Dieu est entré dans ta chambre, fermé dans un pays où tu ne connais personne. Quand une telle personne dit que voici ce que Dieu m'a dit. Et parfois même, dans ces transactions, Dieu apparaît. Par exemple, en Chine, quand Dieu lui est apparu, Dieu arrive là-bas et Dieu tend un gros main dans l'air. Il te donne $8,000 pour payer la scolarité de tes enfants dans un pays où tu ne connais personne. Et après ça, Dieu met ses gros mains sur sa tête et lui dit 84 choses par rapport à son ministère. Une telle personne te dit, voici ce que Dieu m'a dit. Et nous, on pense que Dieu lui a parlé comme il nous parle. Quand on part pour méditer, on fait notre part. Et on dit,
Hey, Dieu m'a dit. Comme le langage maintenant, c'est Dieu m'a dit. Est-ce qu'on est au même pied d'égalité? Ça, c'est des expériences spirituelles de quelqu'un après 45 ans de connaître Jésus. Quelqu'un qui a marché avec Jésus après 45 ans. Est-ce qu'on est... Toi, tu as commencé quand? Est-ce que tu as même oublié le nom des idoles de ton village? Je suis en train de vouloir dire que dans tout ça, quelqu'un passe le temps, il se peine. Si on balance tout ce travail, est-ce qu'on est sage? Non. Ce n'est pas question de vénérer les hommes. C'est question simplement de sagesse. Tu veux commenter ta part? Ok, tu as devant toi 45 ans pour en arriver là où il est arrivé. Et les autres qui vont venir après toi, ils vont aussi dire qu'ils ne prennent pas ce que tu as reçu. Donc tout ton travail aurait servi à quoi? Ils recommencent leur part de folie. Ils arrivent aussi à 45 ans. Et à quoi? Il n'y a rien. Donc, j'ai dit à la ceste, hein, tu as prié avec lui. Rassemble pour nous ce qu'on a déjà prié. Pour que nous puissions marcher, travailler, planifier. La foi consiste à faire les œuvres qui correspondent à ce que Dieu a donné. Si nous croyons qu'on prie à un Dieu qui répond, alors planifions de travailler en assumant que Dieu a répondu. On a prié pour les pays baptes. J'ai dit au frère Constant, envoie quelqu'un. On est en train de vouloir envoyer même Luc Stéphane pour aller en Roumanie pour essayer d'entrer là où on a prié. Et ces enfants, ils vont entrer là-bas, trouver des co-ouvriers, implanter l'œuvre, et ils vont paraître comme des grands héros de la foi, ne sachant pas d'où ça vient. J'envoie les enfants, même les petits-enfants, pour aller ramasser là où on a déjà semé. Pourquoi j'envoie les enfants qui ne connaissent pas beaucoup Dieu? C'est parce que leur travail, est-ce que ramasser est difficile? Au moins, ramasser, c'est le travail des enfants. Peut-être eux, ils se sentent comme des grands hommes de Dieu. Hein? On m'a envoyé dans tel pays. Moi, j'ai mon CV. J'ai déjà parcouru 10 pays. En tout cas, pendant que il est permis aux enfants d'avoir des folies et des rêvasseries. Mais qu'ils aillent quand même ramasser pour nous ce qui a été semé, récolté, reçu de Dieu. Même s'ils ramassent comme le perroquet, c'est le perroquet, le perroquet qui était sur l'arbre. C'était un corbeau. Il était sur l'arbre. Et il y a eu un grand éclair qui a terrassé une branche. Il était en train de faire comme ça. Donc, il a eu d'abord peur parce que c'est de justesse qu'il a échappé. Mais quand la branche est tombée et il s'est retrouvé sur une autre branche, il dit, Massa, je ne savais pas qu'il y avait une telle puissance. Hein? Dans mon bec. Vous m'avez compris? On peut être aujourd'hui on peut être des jeunes ministres corbeaux. Hein? On part ici, on
égaye quelque chose, Dieu produit des résultats et on se... Je ne savais pas que j'étais si puissant. Je suis loin. Et après ça, je commence à parler comme un dictionnaire, la référence de tous les miracles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai dit, frère, on a beaucoup prié, on avait des croisades de prière. Alors, on est sorti, on commence à parler comme des sur des choses qu'on ne connaît même pas, d'où c'est venu. Qui me comprend? Je ne corrige pas les enfants comme ça. Il les a permis de se vanter. Si quelqu'un achète un jouet, est-ce qu'on lui empêche de jouer avec son jouet? C'est les enfants dans notre maison. Ils sont autorisés à jouer avec les jouets. Si Dieu a fait quelque chose, ils reçoivent leur cadeau, ils peuvent. Qui se vante avec ce que Dieu les a donné? Ça gêne qui? Est-ce qu'on arrache aux enfants la joie enfantine? Donc, je ne dérange pas les co-ouvriers qui croient qu'ils sont devenus des hommes de Dieu. Parce que Dieu les donne ce que les autres ont semé. Pourquoi on doit les arracher ça, ces joies-là? Qu'on se réjouisse tous. Amen. Dis amen. Amen. Mais en plus de tous ces fonds de prière, en dehors de tous ces fonds de prière, Dieu avait donné des prophéties par rapport à l'œuvre. Dieu nous a parlé expressément, distinctivement, par rapport à l'œuvre. Donc, les prophéties. J'ai essayé de rassembler quelques prophéties. Je rassemble même, par exemple, les prophéties d'ordination de tous les missionnaires. Quand je lis ça, j'ai au moins une petite idée de ce que Dieu voulait accomplir au travers de notre ministère dans ces pays. Au-delà d'être une prophétie personnelle pour les individus qu'on est en train d'envoyer, ces individus ne sont pas des individus à part. Ils sont des messagers de notre ministère dans ces pays. Et ces prophéties représentent en partie ce que Dieu au travers de notre ministère voulait accomplir dans ces pays. Donc je ne ramasse pas les prophéties d'ordination pour aider les missionnaires. Je vais aider ceux qui ont besoin d'aide. Mais j'ai besoin de leur prophétie. Parce que qu'ils aient suivi ça, ou bien qu'ils n'aient pas suivi ça, ça me donne une révélation de ce que Dieu avait en pensée pour notre ministère dans ces pays. Comme ça, je ne veux pas tâtonner. Si je commence aujourd'hui, pour commencer à recevoir des prophéties pour 70 pays. Je dis, je vais faire combien de jeunes? Je ne sais pas si les frères sont en train de me comprendre. Donc, les prophéties d'ordination de beaucoup de d'envoi de beaucoup de missionnaires, des prophéties d'ordination de beaucoup des anciens dans les pays différents et dans les villes différentes, les prophéties exprès de l'œuvre, des départements, de l'école, de la connaissance et du service de Dieu. Quand je rassemble toutes ces prophéties, ce que j'ai déjà rassemblé, c'est en 3 tomes, n'est-ce pas? You have them? One. About the, we separated, and about people we separated, and then. I didn't give you the one about people. Okay. On a un gros tome de prophétie. Un gros tome. Un gros tome de prophétie. Mais la réalité, c'est qu'il y a 3 tomes. Il y a certaines prophéties qui concernaient les individus.
certaines prophéties même qui étaient négatives. Par exemple, les prophéties de certains grands dirigeants qui vont quitter, les prophéties que Dieu disait aux frères Zach par rapport au péché secret de certains dirigeants qu'eux y cachaient, et que c'est après qu'ils soient partis que les gens là ont manifesté, j'ai déchiré ça pour que personne d'autre ne puisse le savoir. Si quelqu'un ne croit pas déjà le frère Zach, qu'il reste. Inutile de montrer aux gens que voici ce qu'on avait dit sur ces personnes. Et quand la personne est partie, est-ce qu'on on va convaincre qui? Les gens qui ont besoin de telles choses pour être convaincus, c'est déjà des douteurs. Si quelqu'un doute déjà, pourquoi le convaincre par la superstition et la divination? Donc, les prophéties. Une troisième élément dans ma quête pour être en phase, en règle, pour être en phase, pour me cadrer dans la volonté de Dieu pour notre ministère. L'apôtre Paul dit, Timothée, garde le bon dépôt que l'Éternel t'a donné. Le frère Zach a eu des co-ouvriers dans chaque aspect auquel il a nommé chaque co-ouvrier. Il a donné à ces co-ouvriers un dépôt par rapport à ce que Dieu veut. Dont les gens, the people, ces gens. Chacun de ces gens représente un aspect de notre vision. Donc je dois me poser la question, qu'est-ce que Dieu avait, mis comme dépôt dans tel, dans Henriette Marga? Souvent même, ce n'est même pas d'Henriette Marga que je veux mettre ça. Parce qu'une grande partie de ceux à qui on a mis un dépôt n'avaient même pas valorisé ce dépôt pour comprendre même ça. Plusieurs sont encore en train de tâtonner. Mais comme Dieu avait dit, donné des grandes prophéties à Dan, Dan n'a pas possédé une seule gramme de ses prophéties. Donc Dieu a déposé beaucoup de choses sur certains d'entre nous, que ces gens-là vont posséder ce que Dieu les a dit, ou bien qu'ils ne possèdent pas ce que Dieu les a dit, ça les regarde. Mais moi, je dois connaître pour ne pas perdre ce que Dieu voulait nous donner. Hein? Yes, either you want to hear it, or we stammer along and end it. Do you see me reading from a book? I just want to finish and close because... His people is not a lot of what God has given to us and wants from us clearly has been taught, as Razak taught and documented some of the teaching in the books. I have switched to English. I was talking in what? He has corrupted me, so now I'm speaking in English. Let her translate. A lot of what Brazak, what God gave to Brazak and to us. Une grande partie de ce que Dieu avait de nos frères Zach et à nous. He taught it. Il l'avait enseigné. The teachings were revelations. Les enseignements étaient des révélations. They were the things that God was revealing to him about the work in his growing phases. C'était les choses que Dieu était en train de lui révéler dans les phases de croissance de l'œuvre. That was the cerelac distilled for our ministry. C'était le cerelac distillé
pour notre ministère. All those teachings. Tous ces enseignements là. That is the food for the ministry. C'est la nourriture pour le ministère. None of those teachings were the fruit of Bible studies. Aucun de ces enseignements n'était le fruit d'études bibliques. They were the fruit of laboring to produce, build the work and grow the work. C'était les fruits de l'effort à bâtir, à établir l'œuvre. So, if I want to know what our work is, ainsi, si je veux savoir quel est ce que c'est notre œuvre, and remain in it, et demeurer dedans, I must stick to the teachings. Il faut que je m'attache aux enseignements. The teaching. À l'enseignement. The teaching. Les enseignements. The teachings in the books. Les enseignements dans les livres, in the cassettes, dans les cassettes, to the churches, aux églises, to the nations, aux nations, I need to recover all the teaching. J'ai besoin de récupérer tout cet enseignement. I need it. J'ai besoin de cela. For example, I've started sending brethren outside Cameroon. Par exemple, j'ai commencé à envoyer des frères hors du Cameroun. And there are different ministries that invite us. Et il y a différents ministères qui nous invitent. I am amazed that many of my co-workers don't ask when we are not teaching our own people and we have to teach other churches. What are we supposed to teach them? Je suis étonné que plusieurs de mes co-ouvriers ne demandent pas quand nous ne sommes pas en train d'enseigner nos propres gens et nous sommes appelés à appeler d'autres à enseigner d'autres personnes. Que devons-nous leur enseigner? It will be a humble thing to ask. Ce serait humble de demander. What did Razak teach the people who were not part of his ministry? Qu'est-ce que le frère Zach enseignait aux gens qui ne faisaient pas partie de son ministère? What did he see as something that belongs to the overall body of Christ rather than the particular work that God has called him to do? Qu'est-ce qu'il avait vu comme appartenant à l'œuvre globale, à l'église du Seigneur, et pas seulement à son œuvre personnelle qu'il devait faire? The teaching. Les enseignements. There are also the departments. Il y a aussi les départements. Mm-hmm. Department. Department is an administrative word. It's not spiritual. The ministries. The ministry. Le ministère. The word ministry means meeting needs. Le mot ministère signifie satisfaire les besoins. How many ministries has God developed in our ministry? Combien de ministères Dieu a-t-il développé dans notre ministère? That's what we call departments and all those things. C'est ce que nous appelons département, etc. The ministries. When you use the ministry, it is our whole ministry. The ministries means the different aspects that make up our ministry. Quand on dit le ministère, c'est notre ministère tout entier. Mais les ministères, c'est les différents aspects qui constituent notre ministère. Our ministries are largely in three categories, three major categories. Nos ministères sont dans trois catégories majeures. The words, les paroles, the works, les œuvres, like Hope Clinic, comme la Hope Clinic, like academic institutions, comme les institutions académiques,
like love homes, comme les foyers d'amour, those are works. Ça, ce sont les œuvres. And then lastly, we have institutions, spiritual institutions. Et enfin, nous avons les institutions spirituelles. World University of Prayer. L'Université mondiale de prière. School of Knowing and Serving God. L'école de la connaissance et du service de Dieu. Those are institutions. Ce sont des institutions. There are aspects that have been formulated for perennization. Ce sont des aspects qui ont été formulés pour être pérennisés. Because they are central and continuous. Parce qu'ils ont un caractère central et continuel. Like prayer. Comme la prière. Like training of workers, comme la formation des ouvriers, around such central and pivotal ministries, autour des missionnaires de ce genre de ministère à caractère central et de pivot, we institutionalize. Nous institutionnalisons. So the ministries. Donc les ministères. The church, l'église. We should have started differently. Brother Zach planted two main churches. Le frère Zach avait implanté deux églises principales. Yaoundé Douala. Into which he invested a lot. Dans lesquelles il avait beaucoup investi. That produces for anybody who wants to know how to do the work. Et cela présente pour quiconque veut savoir comment faire l'œuvre. How to do it. Comment le faire. It is a microcosm of what God calls us to do all over the world. C'est une miniature de ce que Dieu nous appelle à faire dans le monde entier. God required that the co-workers of Moses should see the tabernacle built according to Moses' vision. Dieu voulait que les couvriers de Moïse voient le tabernacle construit selon la vision de Moïse. In order to become his co-workers. Afin de devenir ses couvriers. What God has asked the leader to do. Ce que Dieu a demandé aux dirigeants de faire. And which has been done. Et qui a été fait. Carries a model. Sert de modèle. For his co-workers. Pour ses co-ouvriers. As to what is a church. Par rapport à la question, qu'est-ce qu'une église? Thank you. The model. Le modèle. The model, the man. The man, or the leader. The leader. Le leader. En français, dit le modèle. Generally. De façon générale. In creativity. Dans la créativité. There is a principle called patenting. Il y a un principe qu'on appelle la licence. There is the patent. Il y a la licence. Le griffe. La griffe. That which is behind the patent. Ce qui est derrière la griffe. Is to say that this thing carries the distinct
identity of this person. C'est, ça communique le fait que cette chose porte l'identité distincte de cette personne. Every created thing has the signature of its creator. Toute chose créée porte la signature de son créateur. And that is what is called the patent. C'est ça qu'on appelle la griffe. If you want to understand a man's work, si tu veux comprendre l'œuvre d'un homme, you must interpret what you see with your eyes by watching his life. Tu dois interpréter ce que tu vois de tes yeux en observant sa vie. It is the leader's life that furnishes the interpretation of his work. C'est la vie du leader qui constitue l'interprétation de son œuvre. I can tell you, I love you very much. Je peux te dire, je t'aime beaucoup. If you know me, si tu me connais, you will know what is behind that word love. Tu vas savoir, tu vas comprendre ce qui y a derrière ce mot amour. When you stop on the road, quand tu t'arrêtes, quand tu te tiens sur la route, when you stop on the road, quand tu t'arrêtes sur la route, en route, quand tu t'arrêtes en route, and a prostitute tells you, et une prostituée te dit, I love you very much. Je t'aime beaucoup. Same words. Ce sont les mêmes mots qu'elle a utilisés. Is it the same thing we are saying? Mais est-ce que c'est la même signification? Have you understood me? Vous m'avez compris? The words carry their meaning from the person. Les paroles tirent leur sens de la personne qui les prononce. It is very simple. C'est très simple. I love you very much. Je t'aime beaucoup. In one mouth, sorti d'une bouche, it can be the proclamation of great value placed on you. Ça peut être la proclamation d'une grande valeur placée sur toi. From another mouth, sorti d'une autre bouche, it can be the invitation to go to hell. Ça peut être l'invitation à aller en enfer. Now, when a lion, lorsqu'un lion looks at you, te regarde, and if lions could speak, et si les lions pouvaient parler, and says, et le lion dit, I love you very much. Je t'aime beaucoup. Your days on earth have been counted. Ça veut dire que tes jours, même peut-être tes heures sur la terre, ont été comptés. A lion loves you very much. Un lion t'aime beaucoup. In the mouth of the lion, I love you very much means appetite. You are appetizing. Ces paroles sorties de la bouche d'un lion, je t'aime beaucoup, ça veut dire que tu es une nourriture appétissante pour moi. Je veux te manger. Non, c'est même pas je veux. Je vais te manger. Je vais te déguster. Je vais te déguster. Alléluia. I think you have understood me. Je crois que vous m'avez compris. That's why, in order to understand Moses' vision, c'est pourquoi pour comprendre la vision de Moïse, God required that the 72 should not only look at the tabernacle, but they should stand there with Moses before looking at the tabernacle. Dieu demandait que les 72 non seulement regardent le tabernacle, mais se tiennent là avec Moïse avant de regarder. Ça ne suffisait pas seulement de les montrer le tabernacle.
Il fallait la présence, qui contemple le tabernacle en présence de Moïse. Le dictionnaire de ce qu'ils seront en train de voir se tient à côté d'eux. Si Moïse n'est pas là, tu peux placer le tabernacle là. Ils vont regarder ça pendant 20 ans et ils ne sauront jamais ce que Dieu lui avait montré au ciel. C'est en sa présence, parce que c'est lui qui donne le contexte de ce que lui il a fait. Il est le griffe. La griffe, c'est Moïse qui est la griffe. Donc, quand tu connais Moïse et tu vois le tabernacle, tu comprends ce que Dieu veut. Who has understood what we mean hereby? If I want to know God's will for our ministry, si je veux connaître la volonté de Dieu pour notre ministère, I must know the life of the leader. Il faut que je connaisse la vie du leader. I have no choice. Je n'ai pas de choix. Unless I'm starting another ministry. À moins que je sois en train de commencer un autre ministère. What does the word daily dynamic encounters with God mean? Qu'est-ce que l'expression rencontre dynamique quotidienne avec Dieu signifie? It is what Zakfomum had been doing that he summarized with that title. C'est ce que Zakfomum avait été à faire qu'il avait résumé par ce titre. If you just translate it literally, si tu traduis ça de façon littérale, without understanding it as he applied it, sans comprendre cela tel qu'il l'appliquait, you don't know what daily dynamic encounters with God is. Tu ne sais pas ce que sont les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. Retreats for spiritual progress. Les retraites pour le progrès spirituel. When Brother Zach says retreat for spiritual progress, quand le frère Zach disait retraite pour le progrès, quand le frère Zach dit retraite pour le progrès spirituel, he means an aggressive seeking of God. Il veut dire, il entend par là une recherche agressive de Dieu. When Ojukwu in Nigeria says retreat. Quand Ojukwu au Nigeria dit retraite, he means the cowardly abandoning of other people that you have deceived to fight a war that you are abandoning. Il entend par là la manière lâche d'abandonner l'expression me fait. De lâcher les personnes que tu as incluses pour lutter avec toi. But he said, he who retreats lives to fight another day. So he turned it into a doctrine. Il a même transformé ça en une doctrine. Il dit, celui qui bat en retraite, c'est ça l'expression. Celui qui bat en retraite, ça lui permet de vivre un jour de plus. Quoi? Lives to fight another day. Il vit pour... Il se prépare pour combattre un jour de plus. Un autre jour. Yeah. Merci. C'est ça. Reculer, recule pour mieux sauter. Yeah. Retreat. Retraite, le même mot. And Ojukwu's meaning and dictionary. Et le sens d'Ojukwu et son dictionnaire. Is cowardice. C'est la lâcheté. And for Zach Fomum, et pour Zach Fomum, it is concentration on God. C'est la concentration sur Dieu. Same word. Le même mot. And when a Roman Catholic says retreat, et quand un catholique romain dit retraite, in a religious sense, dans un sens religieux, he means escaping your personal temptations by running away from the world. Il entend par là que tu fuis tes propres tentations en fuyant l'exposition au monde. Same word. Le même mot. The meaning is in the life of the user. Le sens se trouve dans la vie de celui qui utilise le mot.
When the Zulu says, quand le Zulu dit, Ngadla, Nganda, I have eaten. J'ai mangé. He does not mean food. Il ne parle pas de la nourriture. He means he has killed somebody. Il dit qu'il a tué, il veut dire qu'il a tué quelqu'un. When his assegai enters your heart, and he shouts, Ngadla. He says that he has eaten. Quand sa sagaie entre dans ton cœur, et il dit Ngadla, il dit qu'il a mangé. You just write and say, this Zulu said he has eaten. Toi tu écris, tu dis, ce Zulu dit qu'il a mangé. And you don't know what he meant. Et tu ne sais pas ce qu'il voulait dire. For the Zulu, pour le Zulu, Ngadla meant, Ngadla signifie, somebody has died, que quelqu'un est mort, by my hand, par ma main. When you say, quand toi tu dis, Ngadla, Ngadla, rice has disappeared from the table. Ça veut dire que le riz a disparu de la table. Usually, somebody, if I receive a department. Si je reçois un département, I receive a mission. Je reçois une mission. Brazak says you are a missionary. Le frère Zach dit, tu es un missionnaire. We send you as a missionary. Nous t'envoyons comme missionnaire. What do you think the word means to him? Qu'est-ce que vous pensez que ce mot représente pour lui, signifie pour lui? Qu'est-ce que tu penses que ce mot signifie pour lui? Just watch the sense in which he himself was a missionary. Observe juste et vois dans quel sens lui-même était un missionnaire. If not, you have borrowed your dictionary to interpret another person's life. Sinon, tu as emprunté ton dictionnaire pour interpréter la vie de quelqu'un d'autre. That's the reason for all the confusion in many. C'est ça qui explique la confusion dans la vie de plusieurs. We are using the same words. Nous nous servons des mêmes mots. And meaning different things. Ayant des sens, des significations différentes. You enter a man's ministry. Tu entres dans le ministère d'un homme. You are his co-worker. Tu es son co-ouvrier. The Bible says, can two walk together except they have agreed? La Bible pose la question, deux peuvent-ils marcher ensemble à moins de s'accorder? Did we agree? Est-ce que nous nous sommes accordés? Did we ever agree as to who Jesus will be to each one of us? Nous sommes-nous jamais accordés quant à qui Jésus serait pour chacun de nous? When I went to Nigeria as a missionary, quand j'étais allé au Nigeria comme missionnaire, I had a number of co-workers that we already had, some disciples that Brazak and I had already had in Nigeria before I went as a missionary. Il y avait des disciples, certains disciples que le frère Zach et moi, nous avions déjà comme co-ouvriers avant que je n'aille au Nigeria. Le frère Zach avait certains disciples et j'avais certains disciples qui sont devenus mes co-ouvriers quand je suis parti au Nigeria. Okay. Thank you. When I went, quand je suis allé, I told them, je leur ai dit, we have known each other for long. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Let's start from the beginning. Commençons par le commencement. Let's agree first. Accordons-nous tout d'abord. As to Jesus and the gospel. Par rapport à Jésus et l'Évangile. And I took 6 months to teach the way of life. Et j'avais pris 6 mois pour enseigner le chemin de la vie. And every single person, whether you had been a pastor anywhere, whether you had been a whatever your title had been, whoever you had been, whatever how many years you are spending in the Lord, you answer the question. I mark them next Tuesday. We revise them and we read your marks and we read your answer and. We did that for everybody. Because before you start serving, saying that you are serving God, you may not even agree as to what it means that Jesus is my Savior and Jesus is your Savior. Donc pendant 6 mois, sans exception, que la personne ait été pasteur ou quoi,
chacun devait répondre aux questions du chemin de la vie. Je corrigeais et la semaine suivante, et on corrigeait ensemble pendant 6 mois. Parce que avant de commencer à travailler avec quelqu'un, il se pourrait que vous ne soyez pas en train de dire la même chose quand il dit « Jésus est mon sauveur » et toi aussi tu dis « Jésus est mon sauveur ». You may mean different things. Il se pourrait que vous soyez en train de dire des choses différentes. You may mean Jesus is the one who created me and who claims my life by his blood. I have given him my life. En le disant, toi tu pourrais signifier Jésus est celui qui m'a créé et qui a acheté mon sang, ma vie par son sang. Je la lui redonne. And the other person may be saying, et l'autre personne pourrait être en train de dire, Jesus is a very powerful son of God who died on the cross of Calvary to destroy the devil. So since I don't want problems in my life, let me go to him to make sure that he solves all the problems of my life. Jésus est le tout-puissant fils de Dieu qui est mort sur la croix pour détruire toutes les œuvres du diable. Comme je ne veux pas de problème dans ma vie, je m'en vais vers lui pour qu'il résolve tous les problèmes de ma vie. You have used the same words. Vous avez utilisé le même mot I mean different things. Disant des choses différentes. Who is understanding me? Qui me comprend? One comes to Jesus to improve his life. One comes to Jesus to surrender his life. L'une de ces personnes vient à Jésus pour que Jésus améliore sa vie et l'autre vient à Jésus pour céder, abandonner sa vie à Jésus. You don't mean the same thing. Vous n'êtes pas en train de dire la même chose. When the one who came for Jesus to improve his life. Quand celui qui est venu pour que Jésus améliore sa vie. You start teaching on tithes. Tu commences à lui enseigner les dîmes. And then he asks you. Et il te demande. Our Protestant church used to take anything. Il te dit, dans notre église protestante, là-bas on prenait n'importe quoi. And you tell on acceptait n'importe quoi. And you told me that the grace of God has abounded. Et tu m'avais dit que la grâce de Dieu est abondante. And now I have come. Maintenant que je suis venu, you want up to 10% and you say that's not enough. I must add offering on top. Wait till this thing really be. Tu veux jusqu'à 10% et après tu dis que ça ne suffit même pas. Il faut encore ajouter l'offrande. Ta chose ici même, en réalité, c'est quoi? Where am I really? What have I done? Qu'est-ce que je suis même en train d'aller où comme ça? Who has understood me? Qui m'a compris? The other one who came to give Jesus everything. L'autre qui est venu pour donner tout à Jésus. When you say tithes, quand tu lui parles des dîmes, and he has only one tenth, il te dit seulement un dixième. You said I should give everything. Tu as dit que je dois tout donner. Only one tenth. Seulement un dixième. You send one of them as a missionary. Maintenant, te voici. Tu envoies l'une de ces deux personnes comme missionnaire. The one who came to Jesus to improve his life. Celui qui est venu à Jésus pour que Jésus améliore sa vie. He lands in a certain country. Il atterrit dans un certain pays. And he begins to hear gunshots. Et il commence à entendre des coups de feu. Gou 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 gou. He said. Et il se demande, what's happening? Que se passe-t-il? Lord Jesus, Seigneur Jésus, did you not send me? Ne m'as-tu pas envoyé? Why do you allow war in this country? Pourquoi permets-tu la guerre dans ce pays? The other one says, l'autre dit, even if my life be an oblation, the Lord has sent me here. Where men are dying, so that I may rescue some before the gun shoots them. Même si ma vie doit servir de libation, Jésus m'a envoyé ici pour que j'en sauve quelques-uns avant que la balle ne les atteigne. I must compete with the bullet. Il faut que je fasse concurrence avec les balles. Who of us will reach them first? Quant à lequel de nous va atteindre ces personnes le premier? Who has understood me? Qui m'a compris?
When the other one is saying, where is my wife? Where are my children? How can, what am I doing to my children like that? Is that how to raise a child? Should I carry my children into mitrailleuse? Oh, what have I done? I'm an irresponsible father. Pendant que l'autre est en train de dire, ouais, ma femme, oh, mes enfants, qu'est-ce que je suis même en train de faire à mes enfants comme ça? Est-ce que c'est comme ça qu'on élève un enfant? Je dois prendre mes enfants pour les exposer à une mitrailleuse? The other one is saying, l'autre est en train de dire, I must get to him first before the bullet gets to him. Il faut que j'atteigne ce pécheur le premier avant que la balle ne l'atteigne. Okay, who has understood me? Qui m'a compris? I've used plenty of examples. J'ai déjà utilisé beaucoup d'exemples. Abraham landed in Canaan as a missionary. Abraham avait atterri à Canaan comme missionnaire. And there was famine in the land. Et il y avait la famine dans le pays. And he said, et il a dit, which kind of call of God is this where you not get chop for chop? Ça c'est quel genre d'appel de Dieu où on n'a même pas quoi manger? Am I really sure that I heard God? Suis-je vraiment sûr d'avoir entendu Dieu? That God said he is sending me to a land flowing with milk and honey. Dieu a dit qu'il m'envoyait dans un pays où coule le lait et le miel. And what are my real realities? Et quelles sont mes véritables réalités? Even the food I used to eat before I came as a missionary. Même la nourriture que j'avais, que je mangeais avant de venir comme missionnaire. I'm not ici. Je ne vois même plus. One can be like this. Quelqu'un peut faire comme ça. And just be hearing one funny voice, and you go and die like that. Eh? Il entend juste une voix bizarre là. Il suit et il finit par mourir. Hein? Let me go down to Egypt. Non, je vais moi descendre en Égypte. One must be alive even for God to talk. Il faut être vivant au moins avant que Dieu puisse parler. Sorry, you have understood me. Not vous m'avez compris, n'est-ce pas? Brother missionary. Le frère missionnaire. He lands in that land. Il atterrit dans ce pays-là. And there is famine. Et il y a la famine. And he forgets that God sent him there. Et il oublie que Dieu l'a envoyé là-bas. Forgets that God told him this is the land. Il oublie que Dieu lui a dit, c'est ça ce pays dont je t'ai parlé. He starts looking for food land. Il commence à chercher le pays où il y a la nourriture. He abandons God's land to look for food land. Il abandonne le pays où Dieu l'a envoyé pour chercher le pays où il y a la nourriture. His work. Son œuvre. The word work is used technically in the book of Acts to summarize the enterprise of the gospel that plants churches from locality to locality. Le mot œuvre est utilisé de façon technique dans le livre des Actes pour résumer, pour englober le travail d'implantation d'églises de localité en localité. I said the work of the gospel. L'œuvre de l'évangile. Of planting churches from locality to locality. De planter les églises de localité en localité. That's what is called the work. C'est ça qui est appelé l'œuvre. I have to study Brazak's work. Il faut que j'étudie l'œuvre du frère Zach. In Cameroon. Au Cameroun. I have to study his work in Cameroon. I have to. Il faut que j'étudie son œuvre au Cameroun. How did the work in Cameroon? How was it produced? Comment l'œuvre au Cameroun avait-elle été produite? In three simple ways. De trois manières simples. By Brazak's church planting missions in different cities.
par les missions d'implantation d'églises du frère Zach dans différentes villes. By the sending of national missionaries. Par l'envoi des missionnaires nationaux. By the free seed dispersion from his work in Yaoundé. So the spread of the of those that have been built in Yaoundé as seeds of his ministry. Par le fait que ceux qu'il avait bâtis à Yaoundé comme des... Par la dissémination des semences qu'il avait bâties à Yaoundé. Des semences hommes. Par la dissémination des semences hommes qu'il avait bâties à Yaoundé. Those who were in ENS, ceux qui étaient à l'école normale supérieure, hosted, pendant qu'ils étaient affectés, the work spread. L'œuvre s'est répandue. Those who were in the great in the higher institutions. Ceux qui étaient dans les grandes écoles. As professions and relations made them travel. Pendant qu'ils voyageaient, pendant que leurs professions ou leurs relations les amenaient à voyager. Par affectation, par retour chez eux. The work spread. L'œuvre s'est répandue. That's how the work in Cameroon developed. Voilà comment l'œuvre au Cameroun s'est développée. In a strategic way. De manière stratégique. From town to town. De ville en ville. With Emmanuel Baïha. Avec le frère Emmanuel Baïha. Henriène Barga. Grace Epamba. Oh no, Grace Missodi. Elle était Grace Missodi. And many other church planters. Et plusieurs autres implantateurs d'église. Toto, then national missionaries. Et puis par les missionnaires nationaux. Toto Alphonse. Short-term missionaries like Locke Emmanuel to the east. Des missionnaires à court terme comme Locke Emmanuel à l'est. Joseph Njofang. Fonjindam, Alex Fonjindam in Doumé. Alex Fonjindam à Doumé. Jean Yimko. Jean Yimko à Loum. The sending of national missionaries. L'envoi des missionnaires nationaux. Then the dispersion of those who had been built in Yaoundé. Et ensuite par la dispersion de ceux qui avaient été bâtis à Yaoundé. The Bijas to Garoua. Les Bijas à Garoua. Bragado to Ngaoundéré. Le frère Gado à Ngaoundéré. Charles Nyame to no Papa Guillaume. It was Papa Guillaume to Maroua. Papa Guillaume à Maroua. Spreading. Se répandant. Posted and spreading. Affecté et se répandant. Those three ways. Ces trois voies, ces trois manières. And then the methodic, the systematic, centralized training of leaders in Yaoundé. And the itinerancy to edify the churches from place to place. Et ensuite, la
La formation, merci. La formation systématique des dirigeants à Yaoundé, ainsi que la formation systématique centralisée des dirigeants à Yaoundé et la visite des églises pour les édifier. If I want to know how to do the work, I can learn. Si je veux savoir comment faire l'œuvre, je peux apprendre. If I want to. Si je veux. So I can look at his life and the model he provides. Donc je peux examiner sa vie et le modèle qu'il constitue. Look, treasure the prayers and walk according to the prayers. Valoriser les prières et fonctionner selon ces prières. Obey the prophecies. And labor according to the remas of God. Obéir aux prophéties et m'efforcer d'avancer selon la rema de Dieu. Master the teaching. Maîtriser l'enseignement. Non. Treasure the people he built. Valoriser les personnes qu'il a bâties. So instead of trying to vous voyez, pour moi, quand quelqu'un veut accomplir notre œuvre dans son département et il a les tendances à écarter les autres que Dieu avait bâtis dans la même direction ou quasiment dans la même manière, moi je sais qu'il ne veut pas accomplir la vision. Il est en train de tracer un territoire personnel. Parce que ceux qui veulent vraiment bâtir, sont anxieux de savoir ce que les autres avaient absorbé. Qui d'autre avait su tout ce que j'ai suivi? On donne un grand valeur. La Bible dit, nous avons ces lettres écrites par l'Esprit de Dieu dans les cœurs des hommes. N'est-ce pas? Nous avons ces lettres écrites. Que le frère Zach a fait presque 34 ans avec certaines personnes. Il a écrit des choses dans leur vie. Et quelqu'un vient d'un coup, de jour au lendemain, par ambition personnelle, il balance tous ces gens. Vraiment, tu es audacieux. Tower, come and write the ninth. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. What do I mean by the Holy Spirit? Qu'est-ce que j'entends par le Saint-Esprit? The Lord Jesus left the Holy Spirit to remind the disciples of what he has taught them. Le Seigneur Jésus avait laissé le Saint-Esprit pour rappeler aux disciples ce qu'il leur avait enseigné. The person who wants to follow a spiritual pathway that came from God. La personne qui veut suivre un chemin spirituel, modèle spirituel qui est venu de Dieu. A spiritual pathway. Un chemin spirituel, un sentier spirituel qui est venu de Dieu. Can wait on the Lord. Peut s'attendre au Seigneur. And receive directives for execution. Et recevoir des directives par rapport à l'exécution. Working with the Holy Spirit. Marcher avec le Saint-Esprit is receiving execution application rema. C'est recevoir la rema d'exécution, d'application. Pour l'application. Non, le rema pour. C'est recevoir la rema pour l'application. Oui, il y a le rema pour la création. Il ne se donne, c'est Dieu qui donne ça. C'est Dieu le Père qui donne les rema. De démarrage. Le Saint-Esprit donne le réma à celui qui veut obéir et la sagesse sur l'application.
quand Moïse a reçu le plan sur la montagne, Bézaliel peut être rempli du Saint-Esprit et comprendre quoi faire pour traduire cela en application. On marche avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce qu'il faut faire qu'on cherche du Saint-Esprit. C'est comment le faire qu'on lui demande. Et qui comprend la différence? Le quoi faire est déjà réglé. Mais le comment faire n'est pas réglé. Donc, si tu es le prochain dirigeant, tu vas devoir chercher Dieu aussi. Mais on cherche Dieu pour suivre le rema de Dieu. On a besoin d'une marche aussi intense avec Dieu. Mais c'est différent. C'est sur le comment faire. On a l'esprit de Bézaliel. On nous a donné ce qui avait été révélé sur la montagne. Et on est rempli de l'esprit de sagesse pour la mettre en application. Donc personne, ça c'est tout ça, ce n'est pas le travail de quelqu'un qui ne va pas chercher Dieu. Toi aussi, moi aussi, où que nous nous trouvons, on doit chacun chercher Dieu. Donc si le frère Zach a réussi, au moins s'il nous avait enseigné sur comment chercher Dieu. Mais il ne nous a pas envoyé chercher Dieu pour balancer et écarter ce qui est venu de Dieu par lui. C'est-à-dire que si on peut aussi chercher Dieu, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de suivre ce que lui, il a reçu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne se contredit pas. We must labor to do our work intelligently. Il faut que nous fassions l'effort de faire notre travail avec intelligence. Like Paul. Comme Paul. Like the Lord Jesus. Comme le Seigneur Jésus. We must know the blueprint. Il faut que nous connaissions la maquette. This is my personal testimony of how I'm struggling to remain in the center of God's will. Ça c'est mon témoignage personnel de comment je me bats pour demeurer au centre de la volonté de Dieu. Que je suis en train de faire pour... C'est mon témoignage personnel de ce que je suis en train de faire pour rester au centre de la volonté de Dieu. For us and for the ministry and for my leadership. Pour le ministère et pour mon leadership. Feu rouge. Ça veut dire arrête. I would like three people to pray that the Lord, Question, je m'en excuse, mais c'est une question qui me brûle le cœur depuis la nuit. Je devais la poser hier sur Galates 6. En ce qui concernait Élisée et la femme. La femme avait reconnu la tsunamite. La femme avait reconnu le ministère d'Élisée. Et je voulais poser la question, est-ce qu'il est possible que quand le prédicateur prêche et qu'on reconnaisse et qu'on reçoive la parole, on peut poser une action de grâce? C'est vrai, on dit souvent amen, mais ça n'exprime pas souvent le amen. On peut dire amen avec la bouche, mais ça n'exprime pas véritablement qu'on a reçu et qu'on reconnaît et qu'on reçoit la parole. Je voulais poser la question, est-ce que en ce moment, quand le prédicateur prêche, est-ce qu'on peut reconnaître son ministère et recevoir la parole qui sort de lui en posant une action de grâce avec
un don matériel, est-ce que ça peut faire un problème? C'est ce que ça veut dire, Gala, c'est. Amen. Amen. Ce que tu es en train de décrire là, c'est ce que dit Galates 6:6. Amen. Mmh. Alléluia. Amen. Parce que je voulais le faire hier, mais je. Ma femme donne un Galates 6:6, mais ça doit être fait très discrètement et pas de façon superstitieuse. Parce que, comme j'étais missionnaire au Nigeria, hein, il y a des gens qui t'apportent l'argent et disent, j'ai capté l'onction. J'ai capté l'onction. Donc, ça, on a trop galacisé. Ça devient superstitieux. Ma femme, de façon intelligente, donne un Galates 6:6 à tous ses enseignants. Je dois lui dire, ce mois-ci, qu'elle a écarté les gens. Elle a écarté deux personnes. Nos trois. Elle donne au frère Théodore, elle donne à trois autres sœurs. Mais elle doit donner aussi au frère Israël Sama, qui est son pasteur. Hein? À Goshen. Elle doit donner à Tawet, qui est son dirigeant à la base. Et elle doit donner aussi à Papa Nico, qui est son directeur. Si elle veut faire, qu'elle fasse ça bien. Amen. Oui. Oui, gloire à Dieu. Amen. En fait, j'ai aussi une question que je voulais poser hier, mais l'opportunité ne s'est pas présentée. Donc, je profite de ce que le frère a posé une question pour poser aussi la mienne. Donc, c'est au sujet de ce qui, je pense, a été enseigné au sujet de Barnabas et Paul. Oui, donc il a été enseigné que après la séparation entre Barnabas et Paul, Paul a maintenant eu des difficultés pour recevoir la guidance du Saint-Esprit, si j'ai bien compris. Correct. Voilà. Donc ma question est la suivante. Qu'est-ce qui, en Barnabas, avait permis que ces difficultés-là ne se produisent pas, dans le premier voyage notamment? Puisque à ce moment-là, la guidance du Saint-Esprit se fonctionnait correctement. Tu es en train de poser une bonne question relative à toi. Amen. Non. Juste, les autres ne te connaissent pas. Juste entre toi et moi, c'est une bonne question. Amen. Il y a beaucoup de choses dans l'appel de Dieu pour ta vie qui ne viendront pas chez toi. Parce que Dieu nous place même pour son service dans des équipes. Et Dieu ne donne à personne tout. Dieu avait donné à Paul la puissance, le faire. Et Dieu avait donné à Barnabas l'être. La Bible dit, Barnabas était un homme de bien, plein de grâce, de foi et du Saint-Esprit. C'était un homme triplement plein. Donc il y a des gens à qui Dieu a donné une grande capacité du fait. Ils sont charismatiques. Ils peuvent secouer ces toits-ci. D'accord? Quand ils apparaissent même, les démons crient. Ils peuvent faire tout ça et s'égarer. Et s'égarer. L'apôtre Paul avait reçu l'onction du fer. Mais, tu vois, quand les deux travaillaient ensemble en Antioche, en un an,
La Bible dit que à Antioche, les croyants, les disciples furent appelés chrétiens. C'est-à-dire qu'à un an, l'impact de leur ministère commun a tellement transformé, pas seulement en quantité, mais en qualité. Quand Barnabas sort, Paul produit toujours la qualité. Il prie beaucoup, mais on a l'inceste en Corinthe. On a des Galates qui sont confuses dans la doctrine. Hein? On n'a plus cet échantillon que Antioche produit. Quand un an, à la fois qualité, à la fois quantité. Parce que la gabarit de celui qui a apporté plénitude dans l'être était parti. Les séparations, tout le monde souffre. Dans les séparations, tout le monde souffre. Donc, les difficultés de Paul, c'était la déstabilisation due aux pertes, à la perte d'un couvrier qui le stabilisait. Donc, quand Dieu nous met en équipe, ce n'est pas par décoration. Si Dieu te donne un couvrier, ce n'est pas un amusement. Ce qu'il voulait te donner par ses couvriers, tu n'auras pas ça autrement. Tu perds la personne, tu perds cette chose. Tu sais que j'étais toujours dit que tu dois fonctionner en équipe, non? Que ça soit au Luxembourg, que ça soit en Belgique, que ça soit ici, j'étais toujours dit, tu dois fonctionner en équipe. J'ai même moi-même essayé de te mettre en équipe. J'ai même essayé de te fixer, positionner même dans ton équipe. Mais tu as glissé. Si tu poses la question, j'ai de l'espoir que le Saint-Esprit est en train de travailler. Alléluia. Okay. Tu as compris. Draw attention. But we've not gotten the facts that you just explained very well. And okay, let me. He asked that. Yes. Why was it that Paul had difficulties in being guided by the Holy Spirit after the separation from Barnabas? And I was explaining that God gives each co-worker a different anointing. There are those that he has given the anointing of mighty deeds. And there are those that he has worked in them great depth and fullness of the Holy Spirit. When he places the two together, it is because he needs both. The person who is full will not have a great work without the person who does. The person who does will not produce great quality in a short time as he would have done if he had the person who is full. So when God places us together and we separate, we all suffer. Barnabas separated. And you don't hear again about him. His work disappears. Paul separated. And we hear a lot about him because his work continues. But the quality of the work he now does is different from the quality of the work he did when he was with Barnabas. When they were together with Barnabas, in 1 year in the church in Antioch, 1 year, just 1 year, the large numbers believed. And the people became so, their lives were so transformed that the unbelievers gave them the nickname that these ones are like Jesus Christ. Their nickname was not that they were a sect. The unbelievers called them Christians. In 1 year work, large numbers, rapid maturation. They were functioning in the team that God ordained. But when they separated, Paul continued in the anointing
that God had given to him. And he worked extra hard and suffered extremely to transform the churches that he now planted again in the pains of childbirth for Christ to be formed in them. The Christ formed in them, the Christians, when he was with Barnabas, went so smoothly in 1 year. After Barnabas left, so much effort just for Christ to be formed in the converts. And then you start hearing all kinds of scandals amongst the believers. Horrible sexual sins mixed with terrible, wonderful charismatic manifestations. Have you understood? So I'm saying, when God makes us work in a team, we should be very careful. We lose some people and we lose some things. If after Brazak left, we had all stayed together, we would not have suffered as we have suffered. Our ministry would have gone faster. The young converts would have been more steady. The making of disciples would have been easier because the number of disciple makers of a certain caliber. Take for example, many of you come here to Kume and I am overworked because I don't have many people to whom to send the mature co-workers for counseling. Who has understood me? If the others were there, will I have problem? Will I be the only counselor here? I will not be. I can send you to the younger co-workers. They may tell you what is correct, but you still will not have the satisfaction of having received ministry. All separations cause people to suffer. Even Peter said they had to fill up the gap for the separation of Judas Iscariot. Even though Judas Iscariot sinned, the gap he left, the others could not just fill it. Did Peter just say, let's leave that wayo man, let him go? Did the others, the remaining ones, did they fill the gap? They recognized that there was a gap and they needed to fill it. Please, there are some things as a co-worker that will never enter your life unless some people come into your life. You stay alone and you stay poor. That's what I wanted. That's what I was summarizing for brother. Let's stop there for now. Is there another question? Je voudrais un peu d'éclaircissement par rapport à 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 et 11. Ok, je vais lire en anglais, s'il vous plaît. According to the grace of God, which is given unto me, as a wiser master builder, I have laid the foundation, and another builder buildeth thereon. But let everyone take heed
how the bullet there opened. For other foundation cannot. Why don't you just take a French version and read? Can't you prendre une version qui n'est pas ta langue naturelle et tu fais tout ce. Ça, c'est un manque de respect pour nous tous parce qu'on doit t'endurer. Prends une version en français. Et amen. Quelqu'un peut nous lire ça en anglais, en français, s'il vous plaît? La question, c'est quoi? La question, c'est que l'apôtre Paul dit ici que il a posé la fondation comme un sage architecte. Et à la suite, il dit qu'il a plus, quelqu'un ne peut plus poser une autre fondation que celle qui a été déjà posée. Je voudrais savoir ici, est-ce que notre bien-aimé frère Zach avait construit sur la fondation de l'apôtre Paul ou bien il a posé sa propre fondation? C'est la question que je voudrais savoir. Est-ce que l'apôtre Pierre avait construit sur la fondation de l'apôtre Paul? Mon cher frère. Moi, je voudrais tout simplement savoir, je ne sais pas, je ne connais pas. Non, je suis en train de te répondre. Est-ce que l'apôtre Pierre avait bâti sur la fondation de l'apôtre Paul? Je n'en sais rien. C'était pour te dire que on ne peut pas prendre ça hors du contexte que l'apôtre Paul est en train de dire. Il est en train de parler de son œuvre, du travail, selon la mission qui m'a été confiée. Tu as lu ça? Regarde la Bible, non? Qui a la version qui dit, selon la mission qui m'a été confiée? Oui. Donc, mon cher frère, laissons du côté le frère Zach pour le moment. Ce n'est pas pertinent parce qu'on veut comprendre d'abord que chaque ouvrier doit travailler. Paul n'était pas en train de dire que la fondation que lui, il a posée est la seule fondation qui n'a jamais été posée. Il parle dans un contexte de sa mission. Pierre avait reçu une autre mission auprès des Juifs. Et Pierre aussi a bâti des églises sur la fondation du Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu envoie quelqu'un, la personne qui part pose la fondation. Dans le sens que tu demandes, si quelqu'un veut faire un travail pour Dieu, il doit poser une fondation qui est Jésus-Christ. Mais pas dans le sens que tu voulais dire qu'on a fait une fondation déjà sur place quelque part. Oh, ici, ça s'appelle Bétois. Ici, n'est pas Corinthe. Donc, dans le contexte que tu es en train de lire, tu es en train de lire une lettre adressée aux Corinthiens. Il a posé une fondation à Corinthe. On ne peut plus poser une autre fondation dans son œuvre. Mais cette ville-ci s'appelle Bétois. Oui. Que c'est lui que j'ai posé, à savoir Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui est la fondation. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas un autre. Chacun non. doit
Maman, il est en train de poser une certaine question qui relève d'une compréhension intellectuelle hors contexte. Mm-hmm. C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne prend pas le contexte en vue. Donc, il a compris que Paul dit que si tout autre serviteur de Dieu ne travaille pas sur dans mon travail en tant que Paul, et selon la fondation que j'ai posée en tant que Paul, une telle personne a dégamé. C'est pour ça que j'ai voulu l'aider pour savoir que même dans la Bible, il y a d'autres ouvriers comme Pierre. Parce que si on pense au frère Zach, ça va le rendre confus, puisque le frère Zach, ça sera l'adoration de l'homme pour dire que le frère Zach est au même pied d'égalité que Paul. Des gens, des questions comme ça, sont des questions qui finissent par piéger ceux qui les posent. Donc, la seule manière de l'aider, c'est de lui montrer que même étant dans la Bible, il y a d'autres ouvriers de Dieu qui avaient commencé une fondation n'étant pas associés avec Paul. Mais ça peut être juste, c'est dans le contexte, ce n'est pas une phrase générale. Paul n'était pas en train de dire que personne d'autre ne peut poser la fondation comme j'ai posé. Personne d'autre ne peut planter Jésus-Christ dans la localité comme j'ai planté. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, plus tard, il dit, j'ai prêché que Christ est venu et il est mort pour nos péchés selon les Écritures. C'est ce que nous tous les apôtres, on a prêché. C'est la même chose que nous tous les apôtres, on a prêché. Que ce soit eux, que ce soit moi. Voilà ce que nous, on a prêché. Donc lui-même, il savait. Mais chacun qui veut servir Dieu, il y a des gens qui sont qui posent des fondations. On les appelle les apôtres. Dieu appelle quelqu'un et il lui donne une onction pour être un fondateur, pour poser la fondation. Dans ce sens, le frère Zach était un apôtre. Il a posé la fondation de ce que nous avons aujourd'hui comme notre œuvre. Donc nous autres qui sommes en train de bâtir sur la fondation doivent faire attention. Mais Dieu a d'autres apôtres. Qui comprend la différence? Donc c'est une question décontextualisée. Et quand c'est décontextualisé, ça mène aux hérésies. Même une simple réponse, oui, le frère Zach est en train de bâtir sur la même fondation que l'apôtre Paul, ça sera une hérésie. Ou bien dit, le frère Zach est autant un apôtre dont il a posé une fondation qui est Jésus-Christ. Ça sera toujours, selon cette question, une hérésie. Donc c'est une question. Si la question est fausse, la réponse ne peut pas être correcte. C'est pour ça que j'étais aidé en posant une autre question pour t'aider à poser la bonne question. La bonne question, c'est comment poser une fondation correcte qui est Jésus-Christ. Parce que cela va appliquer au frère Zach et à tous ceux qui veulent travailler pour Dieu. Comment poser une bonne fondation comme Paul a posé, qui est Jésus-Christ. C'est ce que maman est en train de dire. Si on pose ces questions, on va y répondre demain. I want three people to pray that
as church planters. Je voudrais que trois personnes prient pour que, en tant qu'implantateurs d'église, we will do our work as intelligently as the Apostle Paul. Que nous fassions notre travail aussi intelligemment que l'apôtre Paul. With wisdom. Avec sagesse. With wisdom. Avec sagesse. And according to plan. Et selon la maquette, selon une maquette. That is the most critical thing I would like to share with every church planter in our ministry now. C'est la chose la plus déterminante que je voudrais partager avec tout implantateur d'église dans notre ministère maintenant. Remember the blueprint. Souviens-toi de la maquette. Three people pray, we'll go and eat. Que trois personnes prient, nous irons manger. C'est beaucoup, Seigneur, pour l'exposé. Seigneur de ton serviteur. En ce qui concerne notre œuvre, en ce qui concerne la base de cette œuvre, Seigneur. Père, mon corps est content, mon cœur est content d'avoir montré, Seigneur, notre Dieu, Seigneur, qu'il faut suivre la maquette, qu'il faut marcher selon la maquette. Seigneur, oh Dieu, merci, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, d'avoir, Seigneur, oh Dieu, par ton serviteur, le frère Zach, tracé un chemin, Seigneur, par lequel nous allons marcher. Nous, en tant que peuple de la CMCI, Seigneur. Père, merci beaucoup parce que, Seigneur, tu as élevé. Seigneur, oh Dieu, ton serviteur, le frère Théodore. Seigneur, pour suivre le chemin que ton serviteur, le frère Zach, a tracé, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit que tu lui as donné. Seigneur, merci pour la grâce de connaître ces choses. Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous de ne pas, Seigneur, oh Dieu, aller de côté. Seigneur, maintiens-nous sur le chemin, Seigneur, afin que nous n'apportons pas, Seigneur, une autre chose à ce que tu nous as déjà donné. Te supplie au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous continuons de te bénir, Seigneur, et de te rendre grâce, ô Éternel, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, nous te bénissons, ô Dieu, Seigneur, pour le fondement, Seigneur, qui a été posé, ô Dieu, Seigneur. Par le frère Zach. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, pour la maquette. Oh Éternel, nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant, oh Dieu Seigneur, que nous sommes, oh Seigneur, sur le terrain, en train d'évangéliser, en train d'implanter sur les églises. Accorde-nous au nom du Seigneur Christ de pouvoir, Seigneur, suivre, Seigneur, cette maquette de façon intelligente. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour ne pas, Seigneur, dégamer, oh Éternel. Père, nous te supplions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, oh Seigneur, pour toutes ces étapes. Oh Dieu Seigneur, que tu nous as aussi donné, Seigneur, ici au tableau, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, ô Éternel, Seigneur. Parce que, ô Éternel, Seigneur, tu as suscité, Seigneur, notre frère. Tu as suscité le frère Thierry, ô Dieu Seigneur, pour nous maintenir, Seigneur, sur la voie. Oh Seigneur, nous te supplions, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de suivre cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous te supplions, Seigneur. Et qu'à travers la puissance de ton Saint-Esprit, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions mettre en pratique ce que tu nous enseignes, Seigneur, aujourd'hui. Père, que toute la gloire te revienne. Au nom de Saint-Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons.